Je pense que ça y est. Nous sommes en direct. Oui, quelques changements au niveau Facebook. C'est toujours comme ça en dernière minute, évidemment. On s'aperçoit qu'il faut changer les modalités pour accéder à un direct. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on décide avec le docteur Amine de vous parler du glutathion. Alors, sous forme réduite, elle est l'oxydant majeur des cellules. Elle les protège notamment contre les radicaux libres. On le sait depuis quelques années, elle protège également des polluants, des poisons, y compris de certains poisons et polluants issus de la combustion, pardon, des carburants et de la fumée de cigarettes. Alors, nous le verrons avec Amine, des bas niveaux de glutathion sont souvent rencontrés dans les problèmes associés au vieillissement, tels que la cataracte, la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson. Donc, on parle d'elle également dans les problèmes nutriologiques aussi, mais dans les problèmes neurologiques. On parlait d'elle également dans les cas de cancer, puisqu'il semblerait que le glutathion offre une résistance aux molécules chimiothérapiques. On parlait d'elle également dans le cas du diabète, en protégeant des complications liées au diabète, dans les maladies pulmonaires. On parlait d'elle également dans les maladies digestives, y compris l'ulcère, différents ulcères et l'ulcère également du côlon et la maladie de Crohn. Et enfin, on parle d'elle dans les cas hépatiques. On sait qu'une carence en glutathion est présente dans l'hépatite alcoolique, ainsi que dans les cas d'hépatite A, B, C. Alors, l'élévation du niveau de glutathion restaure les fonctions du foie. Et enfin, elle intervient également dans les problèmes rénaux, puisqu'elle aiderait à prévenir de l'anémie. Alors, bonjour Amine. En fin de compte, qu'est-ce que le glutathion? Bonjour et bonsoir Cédric et tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est un sujet très complexe, le glutathion, parce que c'est une molécule réellement, mais il y a tout un système métabolique derrière. C'est pour ça qu'on dit système glutathion. Donc, déjà pour parler de la molécule elle-même, c'est un tripeptide. Donc, ça contient une succession de trois acides aminés, donc la cystéine, le glutamate, la glycine, qui sont combinés ensemble, qui donnent un tripeptide qui est le glutathion. Donc, ça, c'est le glutathion, la molécule en elle-même. Et cette molécule-là, elle a différentes propriétés métaboliques. Tu en avais parlé dans ta présentation sur ses effets sur différentes pathologies, etc. Donc, parmi donc ces propriétés-là, c'est que elle s'intègre soit dans des protéines, donc notamment des enzymes. Donc on trouve par exemple des enzymes qui sont à base de glutathion. Elle s'intègre aussi ou elle permet aussi de mobiliser certaines enzymes qui permettent de régénérer cette molécule aussi. Elle intervient aussi dans la diminution du stress oxydatif, etc., parce que ça piège des radicaux libres, etc. Donc, c'est une molécule extrêmement complexe qu'on trouve dans toutes les cellules et qui a des rôles partout. Il n'y a pas une seule cellule qui ne contient pas du glutathion ou une enzyme ou des enzymes qui sont en rapport avec le glutathion, ce qu'on appelle le système glutathion. Donc, c'est une molécule très complexe et c'est pour ça qu'il est très important de comprendre ses effets. Alors, Amine, je ne sais pas si tu es occupé de nous parler. En réalité, je ne vois plus ta vidéo. Mais non, apparemment, Amine a des problèmes de connexion. Donc, espérons qu'on va le retrouver dans quelques instants, le temps qu'il se reconnecte, pour continuer à nous parler de ça. J'attends encore quelques minutes en voyant si il va nous revenir. Évidemment, dans ces cas-là, il faut combler. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter pendant ce temps-là? Une blague. Voilà. Effectivement, Christelle, on a perdu la connexion. J'essaye de la retrouver. Voilà, Amine qui nous revient. Il nous De revient. Le son va retour. se connecter. Voilà, super. Je te laisse continuer, Amine. Problème de connexion, désolé. Oui, pas Donc, grave. c'est donc comme je disais, c'est une molécule très complexe qui est impliquée dans
tous les processus métaboliques qu'on trouve dans toutes les cellules et en même temps qu'on trouve aussi, il faut savoir qu'on la trouve dans la quasi-totalité des organismes vivants. Les animaux, les végétaux, les plantes, tout ce qui est champignons, micro-organismes, tout. Donc tous ces organismes utilisent le glutathion pour se défendre contre du stress oxydatif, contre des substances toxiques, parce que ça intervient aussi dans la détoxification, etc. Donc je pense qu'on va essayer de simplifier ça et de donner les choses essentielles, parce que si on s'étale là-dessus, on va mettre des heures et des heures.